accueillant et surtout beaucoup de structures aussi bien pour les enfants que pour les adultes en termes d'associations sportives, culturelles. On n'a pas encore eu le temps de vraiment s'y pencher, mais il y a beaucoup de choses qui nous sont offertes en tout cas dans cette ville et qui est surtout très animée au niveau du centre-ville. Nous on arrive de petite ville et c'est vrai que c'est une ville à taille humaine, un peu plus grande que là où on a pu habiter jusqu'à présent, mais c'est assez appréciable en tout cas. C'est pas à l'office de tourisme, c'est pas simplement pour les. On est arrivé depuis septembre. D'accord. Voilà, on a acheté sur l'avenue de Richelieu. Là, le centre hospitalier, c'est le centre bonheur. Il y a tout les. Ouais. Ça va venir. Ça va venir. On a profité, on s'est dit, on a profité de cette journée pour demander s'il y avait quelque chose de prévu. Ouais, il va y avoir des. Là, je sais pas si vous connaissez peut-être déjà, on évite d'y venir, hein, malheureusement, on a fait quelques tours depuis qu'on est là. Sur Châtellerault, on a des serres municipales qui produisent le fleurissement, vous avez vu la nouvelle, sur Châtellerault en tout cas. Et donc, on avait de très très vieilles serres qui dataient de 1900 quelques années, qui n'étaient plus du tout adaptées à nos besoins et encore moins aux conditions de travail et du personnel. Donc on a profité malheureusement de cette friche pour investir dans une partie de ces anciennes serres qu'on a rachetées. Et donc on va pouvoir s'y installer dans le courant du mois de septembre. Donc on va avoir, les agents en tout cas vont pouvoir bénéficier d'un outil nettement supérieur à celui qu'ils ont aujourd'hui. Et on a vu des sites qu'on connaissait déjà, découvert d'autres, et puis ça nous a permis de voir la ville sous un autre angle avec des explications aussi bien historiques qu'économiques assez intéressantes. Le conservatoire par exemple. Ouais. Le futur complexe cinématographique, voilà. La future école qui va y avoir là-bas aussi. Ouais. La future patinoire. Ah ouais, c'est super intéressant. En plus il fait beau donc c'est parfait. Dans le déroulement de tout ce que l'on fait. J'aime bien rencontrer.